C'est une décision régionale. Sortir du nucléaire Loire-et-Vienne, on a décidé de faire des prélèvements supplémentaires en rapport avec ceux annuels de la centrale. Voilà. Et donc là. Et comment devenir ces prélèvements? Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, on travaille en collaboration avec l'ACRO, qui est une association normande sur le contrôle et la recherche de la radioactivité. Et nous, on effectue les prélèvements pour eux, et eux les font. Enfin, je veux bien que tu m'aides. Et qu'est-ce que vous analysez? Eh bien, la recherche des nucléides, des radionucléides. Et en fait, les premiers résultats qu'on a faits... Top. Là, on le rince. On fait pas, on est pas payé au livre. Oui, les premiers résultats en aval de Chinon et en aval de Saumur ont montré qu'il y avait notamment à Saumur du césium et dans les deux cas, Saumur et Chinon, du tritium en quantité non négligeable. Voilà, donc il faut qu'on prenne en amont et en aval. Pour voir la différence. Voilà, et on fait un point. Non, plein. Il faut que ce soit plein, il faut pas que ça déborde. Allez. Parce qu'on est généreux et l'abondance ne fait pas caractéristique. Pas de bulles. Ça sent compliqué ces entrées. Il y a Belleville. Encore là et... Attends, on va refaire la température. On va refaire la température à nouveau là. Oui. Hein bon. Aïe, merci la ronce. Oui. Ah oui, c'est bon. Alors on va refaire la température à nouveau. Je vais faire comme ça. C'est bon, c'est bon. Pardon. Voilà. C'est pour ça que ta fille a la vie. Sors le truyomètre. Voilà, je peux en sortir maintenant. Ça devrait marcher, je trouve. Ça marche pas. C'est radioactif. Il n'y a plus de piles. Ça y est. Si. Il y a ça manque. Non, c'est pas un thermomètre à mercure. Oui, mais même à mercure, il est long, hein, dans tous les cas. Des températures c'est de ce genre-là. C'est toujours très long, une minute, quand on attend. Pour ces températures-là, il faut toujours. Aïe. C'est la police. Hein.